Agir pour la justice, ce n'est pas être prudent au volant juste aujourd'hui, c'est faire attention toute l'année. Agir pour la justice, pour moi, sœur jumelle de Sophie renversée par une voiture, c'est une qualification pénale plus sévère et une sanction proportionnelle à la gravité des faits. Agir pour la justice, pour moi, maman de Hugo et sœur de Pauline, c'est entendre le juge me dire de manière audible qu'ils sont vraiment des victimes. Moi, Chantal, grand-mère de Kylian, tuée sur la route à l'âge de 7 ans, souhaiterais que le conducteur qui a bu soit jugé de manière adéquate. Agir pour la justice, pour moi, sœur jumelle de Sophie, c'est avoir droit à un congé de deuil pour moi et mes proches, afin qu'on puisse se retrouver ensemble et faire face psychologiquement à ce qui va suivre. Agir pour la justice, pour moi, maman de Hugo et sœur de Pauline, c'est essayer de vivre plus sereinement. Agir pour la justice, pour moi, sœur jumelle de Sophie, c'est avoir un soutien d'urgence du service d'aide aux victimes dès l'instant de l'annonce de l'accident, afin que plus personne ne se retrouve comme moi à devoir apprendre seule cette terrible nouvelle. Agir pour la justice, pour moi, maman de Hugo et sœur de Pauline, décédée dans un accident de la route, c'est éviter que cela ne vous arrive à vous.